Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog rénovation. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné un petit vlog réno, ça doit faire à peu près un mois et je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et d'ailleurs restez jusqu'au bout car j'ai une petite surprise pour vous en fin de vidéo. Et aujourd'hui nous sommes une fois de plus dans les travaux de la cuisine, comme depuis le début des vlogs réno d'ailleurs. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir les précédents, j'ai fait une playlist exprès pour ça et je vous mets le lien juste ici. Et au programme donc du placo, c'est la dernière grosse étape avant de commencer la pose de la cuisine. Alors j'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents mais on fait du placo au plafond et aussi à l'endroit où il y avait l'ancien conduit de cheminée. Mais le mieux, c'est peut-être que je vous explique tout ça en live. Allez, c'est parti! Donc voici l'état de la cuisine avant de poser le placo. Donc là, vous pouvez voir notamment l'emplacement de l'ancien conduit de cheminée. Et donc, on a commencé par le plafond. C'est vrai qu'avec un lève-plaque, c'est hyper pratique. Hein. Franchement, on a gagné énormément de temps grâce à ça. Donc comme vous pouvez le voir aussi, on avait prévu déjà les emplacements pour les futurs spots. Donc la pose du placo et l'enduit en tout, ça nous a pris une journée. Une demi-journée à peu près pour le plafond et ensuite le reste, l'autre demi-journée pour les murs et l'enduit. Et donc l'après-midi, on a attaqué le mur du côté de l'ancien conduit de cheminée. Donc on a décidé de mettre de la laine de verre, voilà, pour isoler un minimum. Alors je voulais pas filmer mais du côté de la fenêtre en fait on n'a pas fait de placo vissé, on a fait du placo collé. On n'avait pas assez d'espace pour mettre la cuisine en mettant des rails donc on est obligé de coller le placo. Voilà donc pour ce qui était le dernier vlog réno dans la cuisine. Alors je vais pas vous montrer toute la partie pose de la cuisine, peinture, etc. puisque je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. En effet, dimanche prochain, je vous présenterai la cuisine entièrement terminée à l'occasion du room tour complet de la cuisine. Et d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je poste du contenu tous les jours. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao !